Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Bully Scholarship Edition. Nous continuons sans plus attendre donc dans l'histoire. On va se retrouver pour faire baston sur la plage. Ah bah tiens, baston sur la plage, vas-y, pas de problème, baston sur la plage. Là je suis chaud là, là c'est bon, j'ai vu baston, tout de suite on y va là. C'est clair, net, précis. Fantasio, je sais que tu vas encore dire ouais mais c'est parce que voilà, hein, gros barbare là. Oui, je sais, mais c'est la baston, là. Là, il faut se faire respecter, tu sais. Ce n'est pas facile en ces temps de rester dans des cours et de se faire éclater les gueules. 11 élastiques, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. On découvre, on découvre. Allons-y. Attendez, je vais regarder parce qu'il y avait un truc intéressant. Les signaux. Ah oui, élastique. Alors, transistor, élastique, carte GG. Donc, c'est le truc là. Et les nains de jardin. Eh ben, ça va être sympathique. J'espère qu'on va pouvoir les débloquer parce que. Sinon, c'est pas cool. Ça me donne envie de le refaire sur PlayStation 2 pour voir les différences en fait entre Bully. Et Kaniska Medit. Alors, c'est dessin 2. Autant vous dire que j'aimerais que celle-ci se fasse très rapidement. Mince, je me suis foiré. J'ai cru que j'étais sur un skateboard, mais non, pas du tout. Yeah, you want to get a C785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race! Hey! You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on. Hey, give me that back. Alors, tu sais que là tu vas être dans ma propriété. Je n'ai peur de personne. Hé, ça va te le là. Absentéisme. Inversion. Putain, dépêche-toi, je veux participer à mon cours de dessin là. Ok, j'ai repris mon trophée. Les courses de vélo sont débloquées, donc ça c'est cool. Donc on commence par une petite baston qui nous amène justement à un cours pour la suite. Baston qui nous permet de faire des courses de vélo, mais on le fera pas parce que, enfin pas tout de suite. J'ai pas encore le BMX amélioré. Et je préfère pas y aller avec un BMX pourri, sinon on risque de se faire avoir. Simplement. Et ça va être quoi là la mission? Mission de Tad. Ah non. Please, stop. Donc là, dessin 2, dessin, c'est en haut, d'accord. Dépêchons-nous. Laisse-moi aller en cours, toi. Je vais en cours, alors me casse pas les pieds. Sortez vos carnets.
Et on y va. Allez, c'est parti. Ah d'accord, faut pas appuyer. Moi je pensais qu'il fallait appuyer et tout. Non, pas du tout. On nous a pas forcé à nous demander s'il fallait faire en plusieurs ou autre. Donc pas du tout. Et ben voilà. Beau dessin. Thank you. Donc maintenant on a un bonus de 50% quand on embrassera une fille. Ce qui est plutôt cool, à vrai dire. Donc on va aller à la maison de Tad. Tueur de plantes. Bah non, on va faire tueur de plantes parce que c'est tout près. Hello? You boy, don't just stand there. Come and help! What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh, right. Là, tu voulais tuer le mec. Il est sérieux. Ah, putain. Excellent. Faut se couper les cheveux. Ah, peut-être pour se faire passer pour un bourge, non? Je crois qu'il y a grande chance. Allez, on se dépêche. Ah voilà, hein, pour ce 7e épisode, donc pour un petit dimanche tranquille. Eh oui, les cours continuent, même le dimanche. Non mais là c'est plutôt sympathique, on sait même pas hein, les jours où on est dans le jeu, hein. C'est vraiment inquiétant je trouve. Ils auraient pu faire par exemple lundi, mardi, mercredi, ça aurait demandé juste une toute petite chose sur le gameplay, c'est tout. Mais ça aurait pu être sympa. Alors on va se couper les cheveux apparemment. Oui c'est le moins cher. D'accord. C'est bon. Voilà, donc c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Il fallait se déguiser en bourge. Donc c'est pour ça qu'on se fait une nouvelle coupe de cheveux. D'ailleurs, vous allez regarder, c'est qu'en fait, on a dû se greffer une perruque. Hein. Ce sont des implants. Parce que nos cheveux, ils étaient pas aussi longs. Eh oui. On est comme ça, on se pose des implants. 15$ les implants. Pas trop cher, hein. Ils auraient pu mettre plus cher quand même, hein. Là c'est pas fou. Hein. 15$, qu'est-ce que c'est que 15$? Surtout quand on en a plus de 100. Hein, de où? Mon code vestimentaire, il est bon.
Ok. T'as un problème maintenant? Alors faut trouver la plante et la détruire. Alors, on va pas se faire chier avec eux. Allez. On n'a même pas vu les boulets. D'accord. Quel combat très compliqué, hein, vous voyez. On utilise du poison et on savate la plante. Par contre, maintenant, on a intérêt à se casser. Ah! Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Allez, boum. Ok, ça c'est beau. C'est bon ça, c'est bon signe. On peut se casser à droite. On peut pas. Donc, comment je dois faire? En cassant les vitres? Eh ben c'était ça en plus. Bah écoutez, on va essayer de ne pas se faire chier avec eux. Bah là si, apparemment il va falloir se faire chier avec eux. Allez, tu te calmes toi. Pétard, c'est vraiment une arme plutôt forte. Hein. Ok. Je peux sortir? Cool. On s'en va sur quoi là? Sur une petite récompense déjà de 30$, plutôt intéressant. Hein. Et gym. Gym. Ah oui, oui, oui. Oui, je veux. Je veux. Alors là, la gym, je veux, parce que c'est un truc qui va certainement nous être intéressant, je pense, la gym. On n'en a jamais fait. Laisse-moi tranquille, je veux faire ma gym. Alors, ça va être quoi la gym, du coup? Ah. Excusez-moi. Suivez les instructions pour apprendre de nouvelles prises. Boum. Boum. Coup de tête. Boum. Boum. Ah merde. Mais... Ah, voilà. Boum, allez. Prise de catch. Boum, allez. Boum, coup de tête. Donc il y a une des bourges, une qui m'a l'air d'être un télo et l'autre qui m'a juste l'air d'être là pour faire belle. Donc là, la maison de Tal. Eh ben allons-y. On s'en fout. Laisse-moi tranquille. Ça c'est les sportifs en plus là. Pourquoi ils me cherchent des crasses? Putain, les mecs, je leur fais rien. Mais... Ah, j'ai pas fait exprès. C'est bon, le blouson noir là.
Allez, on va lui casser la gueule à Johnny. Non, DJ Lambrouille, c'est plutôt DJ Lambrouille. Là, vas-y, viens, là, je vous savette, là. En gros, c'est ça. Bonjour, au revoir. On va aller voir la maison de Ted. Non, de Tad. Ah, oh, c'était presque. Allez, hop. Easy truck. D'accord. I'm sorry. Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb. Real dumb. Hey, Ed Kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down. Sit. Good boy. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein. Not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Ah. Oh, hey, le bourge, tu te calmes. Calm down. Russell, qui est en train de foncer, qui nous met une avance. Oh, attention, quelle action débordante. Oh, attention, il y a un bourge. Ouh là là. Nous allons passer par un petit raccourci que je connaissais déjà. Oh, c'est la guerre. Attention, Russell va nous dépasser. Non, ce n'est pas possible. Oh, quelle action débordante. Ces deux coureurs sont sur le point de se foutre sur la gueule, littéralement. Voilà. Et il a gagné. Jimmy O'Keefe a gagné. Alors, il faut jeter les œufs à travers la fenêtre. Ça, c'est cool. C'est dans mes cordes, ça. Alors, hop. On le trouvera. Bon. Vas-y, Russell, tu t'en occupes, hein? Attendez, je crois que je peux le choper là. Oh, quelle action débordante! Ouais, venez me casser la gueule. Je suis chaud là. Voilà! Il faut sortir du jardin, donc on va se casser. Bah voilà, c'est plutôt encore une quête bien réussie, je pense. Encore, oh bah là, les bourges vont vraiment nous détester à mort, quoi. Là, on s'y nènera à mort, c'est ça? Des feedbox. Ah. Est-ce que ça va être plus compliqué que le combat de boxe qu'on avait eu auparavant grâce au défi des bourges? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus du tout, donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Non, faut plus aller de l'autre côté. Et encore une carte. Oh yeah. Oh les salauds. Ils te foutent un défi de boxe juste ici, tu sais. Pour bien te faire chier. Pas un truc à récupérer. Élastique. Y'a un autre truc à récupérer de l'autre côté? Pas du tout. Eh ben on va faire le défi de boxe. Allez, c'est parti. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man.
Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Bah si, viens, grand. Comme ça, tu verras qu'est-ce que c'est de massacrer les gens, là. Je rêve ou il neige? Il neige? Déjà? Eh, mais en une semaine, il neige déjà. Hein, le mec, il... Il n'y a pas de problème. C'est la rentrée. Paf. En même pas une semaine, il neige déjà. C'est cool. C'est fou. Ce jeu est vraiment dingue. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course, the best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Bon, c'est parti. Je crois que là, on va avoir du challenge. Hein. Une fois, je me rappelle Jill Epox là. Are you ready? Fight! Allez! Allez, douille mon petit. J'aime ton style. Eh, c'est la fin du round, tu pouvais pas mettre le coup que tu m'as mis là. Allez, c'est parti là. Allez, on est chaud, on est chaud. On donne tout là. Allez, on donne tout. Allez, viens mon petit. Allez, viens, 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 viens. Merde. Je loupe déjà. Allez. 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 J'ai break là. Non, j'ai barré là. Ouais, j'avais la touche parée active. Oh, tu veux me sabattre? Vas-y, viens, viens, viens. Viens, viens. Allez, viens, viens, viens. Boum. Allez, t'es KO là, qu'est-ce que tu vas faire là? Ah ah, je suis meilleur! Who's the baddest? Me! Who's the toughest? Me! Who's the man? Me! Me, losers! Me! The champion number one! I killed the best! I will beat the rest! Yeah, what have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He's the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo! You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Oh oh. Bon. Ok. 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 Bon, pour ceux qui ont compris la référence. Hein. Oh putain, mais ça va te la laisser là. Ah, vous voulez pas le faire de rien avec de l'art? Ok, pas de soucis. Ok, bon bah toi. Allez. Pfff. Dans ta gueule. Saleux là. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, qu'est-ce que tu vas faire là? Allez, deux gifles. Ça te calme hein? Alors, il y en a qui ont des problèmes là? Oh toi t'as un problème. Oh toi je sais que t'as un problème. Oh t'as des œufs. Allez vas-y. Combat d'œuf. Combat d'œuf. Combat d'œuf, dépêche-toi. C'est le combat des œufs là! Allez là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes œufs là? Hein? Hein? Combat d'œuf! Ouais, c'est le combat d'œuf là! Merde! Bon bah maintenant, plus le combat d'œuf parce que j'en ai plus. Donc maintenant, combat. combat lance-pierre! Alors là, y'a un problème!
Ah ouais. Shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. Ouf. Je me mange de ses coups là. Ah là, la politesse, ça ne servira à rien. Oh, toi, tu vas te calmer. Et tout de suite même. Ah, si tu veux parer, t'inquiète, hein. Il y a lance-pierre pour ça. Bon, lui, je vais le savate l'autre en premier là. Je vais me faire l'autre. Voilà, celui-là. Comme ça, maintenant, on peut aller se les coltiner. Oh, salaud. Inversion. Ok, bon, si vous voulez la jouer comme ça, on va se la jouer comme ça. Ça va piquer par contre. Hey, hey. Ah ouais, celle-là je la sauvegarde. Tellement belle. Une bombe puante. Hop, comme ça lui, il est déstabilisé. Et je peux savate le cher Derby. Et maintenant je peux le savate le dernier. Dans les noix. Alors qu'il y a un problème. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Le mec, il est vénère. Tellement de rage en lui, trop fort. Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies, it was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. L'autre, il joue aux fléchettes tranquille. Bah, on le fera plus tard. Ah, on peut pas dormir. Eh bien les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ah, vous voyez, même deux photos là. Il y a les photos des filles qu'on a embrassées. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc on en est déjà au chapitre 3. C'est pas... ça va vite, hein. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Bully Scholarship Edition. Hein, comme vous voyez, on est très rapide dans le jeu. Je pense qu'on est à peu près à 18%. Ah voilà, 17,67. Donc c'est quasiment 18. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Bully. Salut à tous les amis!